Chez Sanimax, depuis maintenant 83 ans, on fait de la récupération d'animaux morts et de la récupération des résidus d'abattoirs. On récupère ce matériel-là pour en faire de la revitalisation du produit, c'est-à-dire qu'on leur fait en moulé de différentes sortes pour différents animaux. On a un comité de sécurité santé au travail géré par les employés, avec le partenariat naturellement. On s'entend très bien de ce côté-là, ça va bien, on essaie d'améliorer les choses. On cherchait un moyen d'empêcher nos travailleurs de faire un travail en hauteur pour éviter les blessures. On a été plusieurs semaines à essayer de faire une concertation avec nos gens de santé et sécurité au travail, puis avec nos employés pour voir c'était quoi la meilleure méthode à trouver. Ici à l'usine, il y a des places pour s'accrocher, dans les abattoirs, il n'y en a pas. Fait qu'on nous a demandé de trouver une solution pour que les travailleurs soient capables de le faire, d'ouvrir les couvercles sans avoir à monter. Tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a relié le couvercle avec une chaîne puis un levier. Alors, le camionneur, tout en restant au niveau de son camion, sur le devant de la remorque, peut prendre le bras, le levier, puis ouvrir son couvercle. On s'est mis à deux, moi puis mon collègue Joe. Puis on a pensé à ça, on a visualisé les différentes options qu'on avait. Puis on s'est mis d'accord, en fin de compte, pour ce système-là qui était le plus simple puis le moins onéreux. Avant l'innovation, il fallait monter dans les échelons. Puis une fois rendu en haut pour ouvrir le couvert, on devait se tenir en équilibre d'une main. Puis avec un pied dans les airs souvent pour avoir accès au boulon pour pouvoir ouvrir le couvert. Donc c'est très, très dangereux de glisser ou de faire une chute. Maintenant, avec l'innovation, on fait tout à partir du sol. On reste sur la remorque, on ouvre un bras qui ouvre le couvercle automatiquement. Puis là, on a accès sans voir à être en équilibre sur la remorque. Dans mon travail, ça diminue beaucoup les risques de chute, vu que c'est des opérations qu'on fait à plusieurs reprises. Cette innovation peut servir dans n'importe quel travaux en hauteur pour les citernes. Les citernes, surtout pour les citernes qui ont des couverts qu'on appelle manholes, des trous d'hommes en hauteur, qui empêche les conducteurs de monter. Je suis assez fier de cette innovation-là. Ça a été une bonne façon d'aider les gens autour de moi là, à éviter des blessures et des problèmes. On sait qu'une chute, ça peut toujours être grave. Si on peut éliminer ça, tant mieux. Nos employés sont fiers d'avoir pu collaborer avec nous et d'avoir un résultat qui est palpable, puis un bon résultat.